Aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui coloriage, j'ai repris aujourd'hui un coloriage dans le dernier livre que j'avais acheté, donc le Elegant Beauty d'Alena Lazareva, si je me trompe pas. Je vérifie sur mes petites notes. Lazareva, oui c'est bien ça. Donc j'ai recommencé un coloriage, donc il n'est pas fini bien sûr. Là j'ai fait les cheveux. Pas comme les miens, hein. Moi, c'est une catastrophe en ce moment, les miens. Vivement que j'aille chez le coiffeur. Ratiboisé, tout ça. Donc là, j'ai fait une chevelure blond cendré. Voilà. Donc, ça change un peu. Ouais, en plus, ça fait fifi brin d'acier. Regardez ça. Fifi brin d'acier, manquerait plus que je sois rousse et ça fait ça. Il n'y a rien contre les rousses, hein. Ne vous inquiétez pas, mes enfants sont roux. je sais plus ce que je disais, du coup, je dis des conneries et voilà. Oui, donc là, j'ai fait les cheveux à blanc cendré pour changer. Donc c'est des, là les cheveux sont pas longs, ils sont, c'est des cheveux remontés un peu en chignon avec des petites mèches, voilà. Bon, vous verrez hein, sur la vidéo. Il me reste à faire dessus donc le visage, le début du buste et son vêtement. Et là dans les cheveux aussi que je dois faire, elle a des coquillages dans les cheveux. Donc il me reste ça à faire, voilà. Je pense qu'en une vidéo encore et ce sera terminé. Voilà, j'ai bien aimé l'affaire aussi. Hein. Là, j'aime bien ce style de dessin également. Donc, il n'y a aucun souci. Donc, je les ai fait avec les Prismacolor qui commencent à s'user à une vitesse. Comme je n'utilise presque, j'utilise pour ainsi dire que cela en ce moment. Mes crayons commencent à faire fout. Alors je vous avais demandé l'autre jour justement où je pouvais commander des crayons à l'unité. Vous m'aviez, certaines d'entre vous m'avaient donné des adresses. Bon, je ne sais plus les adresses hein, de tête que vous m'aviez donné. Bon, il y a quelqu'un qui m'a donné une adresse d'une boutique française, mais alors là, c'était hors de prix, hors de prix. Le crayon, un seul crayon, c'était 3,78 €. J'ai dit non. Il y avait une autre boutique où il y avait presque plus de stock. Donc moi, j'ai pas insisté là. Et j'ai trouvé une autre boutique là en faisant mes recherches. Alors, j'ai pas encore passé commande, hein. Je vais attendre un petit peu. La boutique est en Allemagne, donc j'ai pas de retour sur cette boutique. C'est pour ça que je vais chercher d'abord, voir si j'ai des retours. La boutique est en Allemagne et là, justement, les prix sont plus raisonnables. Les crayons, alors pourquoi il y a différents prix suivant les couleurs? Mystère et boule de gomme. Mais ils sont entre 1,80 € et 2 € le crayon. Donc c'est déjà beaucoup mieux que celui en France à 3,78 €. Donc là, je vais essayer de chercher des avis un peu sur Internet avant de clôturer ma commande quand même. Et bon, je ne sais pas combien de jours je peux les recevoir non plus, puisque là, ça vient d'Allemagne. On verra bien. Donc là, bon, pour l'instant, je ne les commande pas tout de suite.
Je verrai si je les commande ce mois-ci ou si j'attends le mois prochain. Je vais voir. Parce que du coup, j'aimerais bien. Je peux en commander qu'un ou deux. Ça sert à rien. Je vais peut-être attendre un tout petit peu et puis commander tous ceux qui sont arrivés à moitié. Et comme ça me fera une seule commande. Et je sois tranquille pour un petit moment. Voilà. Donc on verra bien. Mais enfin là, sur cette boutique-là, bon, on va voir. Je vais chercher des avis et puis je verrai. C'est la seule que j'ai trouvée de façon dans ces prix-là et qui avait du stock. Et c'est la seule boutique où j'ai trouvé. Alors je ne sais plus comment ça s'appelle. Si, qui ont un crayon donc Prismacolor, mais qui ont le crayon le mélangeur. Prismacolor. Du coup, ça, là, celui-là, je vais le prendre, c'est sûr. Je vais même en prendre deux pour être tranquille. Je ne savais pas que Prismacolor avait les crayons mélangeurs. Donc le mélangeur, c'est-à-dire le blender, voilà, pour quand vous voulez mélanger vos couleurs ou les. Et du coup, je ne savais pas que Prismacolor l'avait. Puisqu'il n'est pas dans les boîtes, hein, bien sûr. Et donc là, je l'ai vu dans cette boutique-là. Et là, ça m'intéresse vraiment de le commander. Donc, le mélangeur est à 2 euros ou un peu plus, je crois. À 2,40 €. Je crois qu'il est un petit peu plus cher. Mais du coup, là, ça m'intéresse vraiment de l'avoir. Et je ne l'ai pas trouvé ailleurs pour l'instant. Donc ça, c'est pareil. Si vous trouvez le mélangeur de Prismacolor sur un autre site, sur un site français, dites-le-moi, parce que j'ai pas vu. Mais vraiment le Prismacolor, hein, pas une autre marque, vraiment celui de Prismacolor. Parce que bon, il y a des blenders, il y en a toutes les marques. Hein, j'en ai un moi de blender, mais celui vraiment de la marque Prismacolor, j'en ai pas vu ailleurs que sur ce site. Voilà. J'ai même regardé sur Prismacolor. Je n'ai même pas vu sur le site de Prismacolor. Donc, pour vous dire. Donc, voilà. Aujourd'hui, vous avez ce petit coloriage. J'espère qu'il va vous plaire. C'est week-end. Voilà. Rien de spécial. Bon, là, j'ai fait la vidéo hier, donc samedi. Je vous fais le montage aujourd'hui, dimanche. Parce que bon, là, aujourd'hui, je n'ai pas fait de vidéo. Et puis, de toute façon, je n'ai pas fait de jardin non plus parce qu'on a eu de l'orage. Donc, je n'ai rien fait de spécial. J'ai juste avancé un petit peu sur mon DP anglais. Je n'ai pas filmé, là. J'ai juste avancé un peu. J'ai juste. Puis, j'avais envie de cuisiner un petit peu. Donc, j'ai fait un flan parisien. Et puis, voilà. Rien d'extraordinaire, donc et demain, donc demain lundi, Chouchou et moi, nous avons notre deuxième piquouse pour le vaccin. Donc demain de bonne heure au matin en plus. Enfin, pour moi, c'est de bonne heure. C'est à 9h moins le quart, enfin 8h45. Donc demain, nous avons notre deuxième dose. Voilà. Donc demain, je serai sûrement le coloriage que je terminerai demain après-midi. Voilà. Allez, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous rappelle que si ça vous intéresse, je vous mets l'adresse en barre d'infos. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur mon groupe de coloriage que j'ai ouvert il n'y a pas longtemps. Depuis aujourd'hui, j'y organise des défis de coloriage. Donc, n'hésitez pas à venir. Il y a tous les détails dans le groupe, hein, voilà. Et je vous y attends avec grand plaisir. Voilà. Allez, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt. Bisous, bisous.
Thank you.